Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul et ce sera un haul déco. Encore une fois, je sais que je vous en ai fait un il n'y a pas très longtemps, mais je suis allée faire un petit tour chez Action aujourd'hui. J'ai trouvé quelques petites choses et j'avais acheté 2-3 trucs aussi il y a quelques semaines, donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Et il y aura aussi un peu de maison du monde, quelques petits trucs que j'ai trouvé sur Bordeaux, puisque si vous avez regardé ma dernière vidéo, c'était un vlog à Bordeaux, donc j'étais en vacances quelques jours là-bas et c'était juste génial. Bref, je vous laisserai aller regarder la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et j'ai fait quelques petits achats chez Maison du Monde aujourd'hui aussi, puisque j'avais un gros colis à récupérer et j'ai pas pu m'empêcher de faire un tour dans le magasin et d'acheter. On va commencer par Action, et la première chose que je me suis trouvée, ça c'était il y a quelques semaines mais j'y suis retournée ce matin et il y en avait encore, ce sont ces petits paniers là qui sont très à la mode, qu'on peut trouver aussi chez Maison du Monde en ce moment, et j'ai trouvé très mignon et ça allait très bien avec le thème déco de mon salon. Et je crois qu'il m'a coûté seulement 1,49€, mais comme d'habitude je vous mettrai le prix ici parce que vous savez que moi la mémoire, les prix et voilà, je ne me rappelle jamais, donc je préfère vous mettre ici plutôt que dire des conneries. Et donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il me semble qu'il existait en 2 tailles différentes. Je me suis trouvée aussi chez Action il y a quelques semaines maintenant un tabouret en teck, mais juste magnifique. Il est assez lourd, c'est de la bonne qualité et franchement pour le prix je m'en suis pas privée. Et voilà, je sais qu'il y est encore parce que j'en ai encore vu ce matin et il est juste canon. Donc je vous mettrai juste un close-up parce que il est dans mon salon et il est assez imposant quand même, donc ça va être difficile de vous le montrer là, mais je trouve que le rendu est super joli avec une petite plante dessus, une petite déco, c'est hyper canon. Toujours chez Action, je me suis trouvé ce porte-lettre, on va dire, ce porte-courrier, que je trouvais assez sympa. Donc moi je vais pas l'utiliser en tant que tel, je pense que je vais l'utiliser dans ma pièce beauté pour mettre mes palettes et les produits nécessaires, les produits que j'utilise tous les jours ou le plus souvent. Vous avez un petit tiroir ici qui est pas énorme, mais vous pouvez mettre quand même pas mal de choses. Et moi je pense que je vais pas le laisser comme ça, je pense que je vais le patiner ou je vais le repeindre, je sais pas, mais il va pas rester tel quel. De toute façon vous le verrez dans ma prochaine vidéo, enfin pas ma prochaine vidéo mais dans une prochaine vidéo, puisque je vais vous refaire une vidéo mon coin make-up où je vais redécorer. Vous le verrez d'un petit peu plus près, puis vous verrez bien ce que je vais en faire. Je me suis pris alors quelques petites bricoles, donc de la colle à bois, hein, rien de transcendant. Ensuite je me suis pris pas mal de rubans, donc enfin j'en ai pris 3, pas mal non, 3. 3 de couleurs différentes, donc vous avez une couleur un petit peu corail, une couleur beige taupe et un couleur un petit peu jaune, jaune pastel, vraiment très joli. Donc ce sont des rubans en satin et ça je vais les utiliser pour faire des bijoux, donc vous inquiétez pas, vous avez été plusieurs à me demander des DIY, bijoux, déco, etc. et ça va arriver très très vite puisque je suis en vacances, donc je vais avoir le temps de vous faire ces vidéos là, donc vous inquiétez pas, je vous prépare ça, ça va arriver très vite sur la chaîne. Toujours pour des bijoux, de la déco, etc. je me suis trouvée de la dentelle décorative, donc j'en ai pris du blanc. J'en ai pris couleur taupe beige aussi et j'en ai pris couleur bleu jean un petit peu, je le trouvais hyper joli. Donc ça en fait ce sont des gros rubans de dentelle et je pense que pour les bijoux, pour de la déco ça va être super et c'était pas très cher, il me semble que c'était 89 centimes donc juste parfait. Je me suis pris un tronçon de bois comme ceci, hein, donc vous voyez c'est une tranche de bois, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique avec du fil de jute ici. Donc ça, ça faisait très longtemps que je passais devant, que à chaque fois j'hésitais, je me disais ouais mais qu'est-ce que je vais en faire, je sais pas trop où je vais le mettre, etc. Et puis là bah, je suis repassée devant et puis voilà, je l'ai pris au prix où c'était, 5,95€ il me semble, et je trouverais forcément quelque chose à faire avec ça, mais voilà, à force de passer devant bah, j'ai fini par le prendre et je me suis dit que dans ma déco un petit peu beau chic bohème ça irait parfaitement. Je me suis trouvée aussi ce petit panier que j'ai trouvé trop mignon, un panier tressé comme ceci avec des grandes anses comme ça, il est assez rigide quand même. Et je pense que je vais le mettre dans mon salon aussi pour mettre mes revues dedans, tout ce qui est bouquins, etc. Je pense que ça fera un effet vraiment très sympa. Ça se fondra parfaitement avec la malle que j'ai achetée chez Maison du Monde. Justement, bah, c'est ce que j'ai été chercher ce matin. Et elle est vraiment dans cet esprit-là. C'est exactement le même tressage, le même coloris, la même paille, etc. Donc je pense que ça ira parfaitement avec ma malle. Et voilà, j'aimais bien, donc je l'ai pris. Dernière chose, chez Action, alors ça quand je
je suis tombée dessus, j'ai trop flashé dessus et j'ai eu tout de suite des idées déco, j'ai su tout de suite où j'allais le mettre. Donc je sais pas si vous allez bien voir ce que c'est, mais c'est un porte-revue, un porte-magazine mural et je le trouve hyper joli avec cet effet un petit peu persienne ici ajouré. Voilà, c'est quand même assez grand, assez large, donc vous pouvez mettre quand même pas mal de choses dedans. J'aurais dû en prendre deux je pense pour les mettre en décalé sur le mur, donc je pense que je retournerai demain en prendre un deuxième. Il existe aussi en blanc si jamais ça vous intéresse. Et voilà, je pense que dans mon cellier ou dans une entrée, ça peut faire hyper sympa. Pas forcément pour mettre des magazines, etc. Mais voilà, pour mettre de la petite déco dedans. Ou ça peut vraiment servir de rangement. Et je me dis qu'avec, dans ma déco en fait, de mon cellier noir, bois, esprit un petit peu industriel, ça peut faire hyper joli. Donc j'étais trop contente de trouver ça. Et pareil, c'était vraiment pas très cher. Donc si jamais ça vous intéresse, allez-y, foncez. Parce que je pense que ça va partir très très vite. On continue avec Maison du Monde. Donc là ce sont des achats que j'ai fait à Bordeaux. Donc la première chose sur laquelle j'ai craqué, c'est vraiment une bricole. C'est un porte-clés qui se présente comme ceci, donc je sais pas si vous verrez bien, mais vous avez une feuille, deux feuilles de palmier ou de bananier ou de monstera, palmier monstera, je sais plus comment ça s'appelle, et vous avez un petit pompon en suédine vert clair, très joli, très flashy, parfait pour l'été. Le truc qui sert pas à grand chose, mais je l'ai trouvé hyper joli, donc trop coco, donc j'ai craqué dessus. Ensuite je me suis trouvé un semainier, toujours dans ce même thème coloré, donc vert, jungle, palmier et doré, et j'ai trouvé hyper joli. Je pense que sur mon bureau ça fera très sympa. Donc vous avez les jours qui sont marqués ici et vous avez ici un espace pour marquer les petites notes de ce que vous avez à faire dans la journée. Donc là pareil, je sais pas si vous verrez bien, vous inquiétez pas, je vous ferai des close-up, mais voilà, je le trouvais hyper sympa et celui-là m'a coûté 6,99€. Je me suis pris un petit tableau sur lequel j'avais flashé depuis quelques temps aussi. Dès que la collection est sortie en fait, j'avais flashé dessus, donc il m'a coûté 7,99€. Là je peux vous dire les prix parce que je les ai pas encore enlevés. J'ai hâte de pouvoir mettre tout ça en place. Donc c'est un tableau qui se présente comme ceci, il n'est pas très grand mais c'est un tableau moyen on va dire, et vous avez une feuille de palmier et je l'ai trouvé hyper joli. Vous avez un effet un petit peu vieilli avec des inscriptions ici, et voilà, je trouvais sympa. Donc je pense que dans mon salon ça va être très joli aussi avec d'autres cadres à côté, miroirs, etc. Je pense que le mélange pourra faire très sympa. Toujours chez Maison du Monde, ça c'est mes achats d'aujourd'hui. Donc je me suis pris cette petite chose toute minuscule, donc c'est une fausse plante, hein. Vous savez que je suis fanatique des fausses plantes étant donné que toutes les vraies meurent. Celle-ci m'a coûté 4,99€. Je me suis dit que sur ma petite étagère ici, ça pourrait faire sympa à côté d'autres plantes ou déco un petit peu plus nature on va dire, ça serait sympa. Ensuite ça c'était à Bordeaux aussi, j'avais craqué sur cette petite bouteille comme ceci qui est assez large quand même, mais pas très haute, de couleur verte, et je la trouve trop jolie ici avec le goulot, on va dire ça, le goulot en cuivré ici. Je trouvais que c'était hyper joli et celui-là m'a coûté 5,99€, donc je trouvais que c'était pas très cher. Celui-là m'a coûté juste 1€ de plus que ça, donc allez comprendre le pourquoi du comment et qui fixe les prix, mais bref, j'ai trouvé hyper sympa et je sais pas, je pense que je vais la laisser comme ça, je pense pas que je mettrai quelque chose dedans, je pense que je laisserai juste en déco comme ça. Et la dernière chose en termes de décoration pure que je me suis pris chez Maison du Monde, c'est quelque chose que je pense vous avez dû voir partout, parce que c'est très à la mode, on en a vu beaucoup sur les photos Instagram. Donc c'est un cactus qui est comme ceci, donc très joli, et que j'ai payé 14,99€. Donc voilà, ça je pense que je le mettrai dans mon salon, ça va faire très très sympa, très fragile aussi je pense, donc à ne pas passer vite à côté parce que sinon je pense que ça pète en 2 secondes. Je pense que ça pourrait bien se fondre avec quelques plantes à côté, ça pourrait être hyper sympa. La dernière chose que je me suis trouvée chez Maison du Monde, mais que je ne peux pas vous montrer parce que c'est juste énorme, c'est une malle comme je vous disais tout à l'heure en paille un petit peu tressée comme ça, que je trouve hyper jolie. Elle est pas trop grande, elle est pas trop petite, elle va parfaitement dans le décor, avec le décor de mon salon, dans cet esprit un petit peu beau, chic, nature, ça se fond parfaitement avec mes plantes suspendues, etc. Et je la trouve vraiment trop belle. Par rapport au prix des autres malles chez Maison du Monde, je trouve que c'est pas excessivement cher, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Il me semble qu'elle fait partie de la nouvelle collection. Allez jeter un coup d'œil si jamais vous aimez tout cet esprit un petit peu beau, chic, nature, etc. Je pense qu'elle pourra vous plaire aussi.
Voilà les filles pour cette vidéo, pour mes dernières petites nouveautés déco. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a peut-être donné quelques idées déco. Vous verrez bientôt de toute façon quelques-unes de ces décorations en action puisque je vais très vite vous faire la vidéo décoration, voir pas à pas avec moi comment je change d'atmosphère au niveau de mon coin make-up. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. A très vite les filles, ciao. To be mine.